Disney. C'est maintenant. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Hein. Consommer énormément cette émission. Hein. Zoom Ciné. Une production de CinéZoom. Zoom Ciné est une mission. Une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com. C'était un événement, nous l'avons rencontré aux Rencontres du Sud, Viggo Mortensen, pour son film Jusqu'au bout du monde. Viggo Mortensen dirige Vicky Krieps, La vie dans l'Ouest américain dans les années 1860. Après avoir fait la rencontre de Holger Olsen, immigrée d'origine danoise, Vivienne Le Coudy, jeune femme résolument indépendante, accepte de le suivre dans le Nevada pour vivre avec lui. Mais lorsque la guerre de sécession éclate, Olsen décide de s'engager et Vivienne se retrouve seule. Elle doit désormais affronter Rudolf Schiller, le maire corrompu de la ville, et Alfred Jeffries, important propriétaire terrien. Il lui faut surtout résister aux avances plus qu'insistantes de Weston, le fils brutal et imprévisible d'Alfred. Quand Olsen rentre du front, Vivienne et lui ne sont plus les mêmes. Ils doivent réapprendre à se connaître pour s'accepter tels qu'ils sont devenus. Donc un beau film, un beau personnage de femme, une femme forte, un film que je vous conseille. Viggo Mortensen réalise un très beau western, un western où l'on prend son temps et en même temps il sublime la femme et l'Ouest américain. Nous écoutons Viggo Mortensen que nous avons rencontré aux Rencontres du Sud en Avignon en répondant à mes questions. Je vais commencer par la fin parce que justement ce monde-là, par métaphore, il faudrait en finir. Est-ce que c'est ce qu'on peut traduire par « jusqu'au bout du monde » et cette phrase de fin qui est dite justement d'en finir avec ce monde-là et ce type de situation qui tue justement la civilisation? Bon, le titre en français, ça va être la même chose en Espagne, « Hasta el fin del mundo ». Et c'est surtout parce que c'était impossible de faire une bonne traduction du titre en anglais. « The dead don't hurt » veut dire deux choses. Les morts ne peuvent pas faire du mal et ils sont pas le douleur. On ne peut pas traduire ça en français. Et puis on a pensé que, comme vous dites, qu'il y a deux, trois fois qu'on écoute une phrase similaire dans le film. Et c'était, à notre avis, une bonne idée. Mais c'est pas la traduction littérale du mot, du titre, c'est surtout justement d'en finir avec ce monde dans lequel nous vivons. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et donc, ces personnages, comme les personnages qui commettent des actes qui sont répréhensibles, c'est vrai que c'est avec ça qu'il faut en finir. Moi, je pense, j'ai pris ce film comme ça. On vit dans l'espoir. Mais c'est jamais possible. Ça va jamais possible d'éliminer le mal, ni le racisme, ni toutes les choses terribles que les êtres humains sont capables de faire. C'est la leçon qu'on doit commencer à nouveau avec chaque nouvelle génération. Et c'est ça qu'on imagine que le père va faire avec ce petit garçon à la fin. Bon, j'aime les westerns, surtout les westerns classiques, mais à vrai dire, je pense qu'une histoire sur une femme qui ouvre des nouvelles frontières personnelles pour elle-même, comme femme, c'était intéressant, à mon avis, de placer cette histoire d'une femme indépendante, libre, courageuse, dans une époque et dans un endroit où la frontière était ouverte, toujours ouverte physiquement, et une société hors la loi où les hommes dominent quelques hommes, la société et le paysage. Il est un homme de cette époque, même que Vivienne, même s'il est indépendante et courageuse et tout ça, unique. Elle est aussi une femme de cette époque. Mais il est, même s'il est un peu maladroit de temps en temps et si têtu qu'elle,
il est au moins ouvert à changer, à évoluer. Et c'est pour ça qu'il est capable de changer un peu, d'apprendre d'elle. Et elle est ouverte à apprendre quelque chose de lui aussi. Il se pardonne. Le pardon, c'est important dans ce film. Plus important que la vengeance, que la guerre, que le mal. Chaque rôle que je joue, je mets mon corps, ma voix, mes sentiments. C'est moi aussi. Je ne suis pas fou. Je sais que tous les rôles que je joue, même si quelques-uns sont loin de moi, dans Green Book ou quand je jouais Sigmund Freud, les autres rôles qui sont pas si près de moi, évidemment. Je veux être aussi patient et ouvert à une évolution personnelle que Olsen. Il est mieux que moi. Quelle joie vous procure la réalisation? Parce que justement, c'est de créer des scènes comme ça, d'un petit peu, de créer des choses intemporelles, d'imagination, que le fait d'être simplement acteur, vous n'êtes pas complètement satisfait, parfois. Donc là, la réalisation, ça amène quelque chose de beaucoup plus personnel. Pour moi, c'est pas un grand saut entre commencer avec la réalisation, parce que j'étais toujours intéressé au travail collectif de faire du cinéma. Les bons films sont toujours le résultat d'un bon travail d'équipe, à mon avis. Et les films qui sont réalisés par des réalisateurs qui ne veulent pas faire un travail d'équipe, que c'est une chose différente de l'ego, ils sont capables. Ils peuvent faire des bons films, mais je crois que les bons films qu'ils sont capables de faire auraient été beaucoup mieux s'ils avaient fait du travail d'équipe, s'ils avaient écouté aux autres, son équipe, les acteurs. C'est ça que je trouve dans mon métier. Mais c'est toujours une chose que m'intéressait. Savoir, comprendre comment on fait le voyage du scénario, de la page, à l'écran. C'est compliqué. J'ai grandi avec des chevaux. Très jeune, j'ai appris à monter à cheval et j'aime beaucoup les chevaux. Et ça m'a aidé beaucoup à m'assurer de la bonne équitation dans le film. Si on pense à l'époque, le transport, c'était des chevaux. C'est étrange, je trouve, dans les westerns, quand on voit qu'un acteur ne peut pas monter bien à cheval. Ça se passe, on voit ça. Mais il y a beaucoup de films que j'ai envoyés, par exemple, à quelques acteurs. Je dis, c'est un mauvais film, très mauvais film, mais il y a deux ou trois personnes dans ce film qui montent très bien. Regarde ça. L'homme s'approche au cheval, par exemple. C'est plus important que le galop ou tout ça. La façon d'être avec le cheval, que ça soit complètement simple, naturel, efficace. Et on a regardé ensemble beaucoup des scènes et des films pour avoir une bonne idée de comment faire. J'ai essayé de travailler aussi avec tout ce qu'on sent dans le film, les dialogues, les dialectes, les accents, on a beaucoup travaillé ça aussi. Et pour que le vocabulaire soit de l'époque, même que les vêtements, si on a tout parfait, tous les détails, et puis on écoute quelque chose qu'on peut seulement, qu'on dit à notre époque, c'est pas du bon travail. Mais tout, il faut faire attention à tout. Et c'est aussi, je trouve que les choses, les objets, les jardins, les endroits, dans un film, ils sont des personnages aussi. Et pour elle, le jardin, la maison, tout ce qu'elle fait, c'est très important. Et ça donne quelque chose de différent pour Olsen à son retour. Ils viennent, je voulais explorer un peu ce qui arrive aux femmes quand
leur mari, père, fils, partent mener leur guerre masculine. Et ce que ressentent et pensent les petites filles quand ils viennent, quand ça se passe entre 1861 et 1865. Et j'aime beaucoup, comme j'ai dit avant, le genre du western classique, mais la plupart des films dans ce genre ne sont pas bons. Il y a peut-être 5% au moins qui sont des bons films, qui sont historiquement, tous les détails sont bien faits. Je voulais faire un film comme un des meilleurs dans le genre. C'était l'idée. L'idée, au départ, c'était de faire un film bien écrit, fidèlement tourné et efficacement réalisé, j'espère. Zoom Ciné est une mission. Une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de CineZoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site CineZoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas.